À des rencontres citoyennes. Écoutez, pour les citoyens que nous sommes les uns et les autres, il n'y a actuellement pas de cause plus émouvante. Pas de cause plus émouvante à cause de sa durée, du caractère impossible de lui trouver une solution, d'un peuple, le peuple palestinien, qui depuis 60 ans est privé du droit qu'il a à un État. Un peuple qui est colonisé, qui est occupé, dans la Cisjordanie comme à Gaza, même si l'occupation de Gaza n'est plus une occupation militaire, mais c'est presque pire. C'est une façon de mettre les gens de Gaza dans une prison à ciel ouvert. Par conséquent, quand nous évoquons cette Palestine, que ce soit la Palestine en général, ou ces lieux de Gaza où vivent 1,5 million de Palestiniens privés de l'essentiel pour eux-mêmes et avant tout aussi pour leurs nombreux enfants, nous ne pouvons que ressentir un besoin profond, un besoin d'indignation, un besoin de refus de l'impunité dont jouissent ceux qui sont collectivement et conjointement responsables du fait que la Palestine, tout au long de ces 60 dernières années, n'a pas trouvé la paix, le droit à un État, la liberté, la démocratie qui devrait être la sienne. Alors, face à cette cause, il y a eu énormément de gens, et il y en a, je sais, beaucoup dans cette salle, qui ont essayé d'agir, qui ont organisé des ONG, des actions de soutien ici ou là, mais nous sommes restés devant une impunité sur le plan du droit qui devient tous les jours plus insupportable. Alors, nous avons été quelques-uns à essayer de mettre quelque chose sur pied dont je veux vous expliquer brièvement en quoi cela consiste. Qu'est-ce que c'est qu'un tribunal Russell ? Bertrand Russell, un grand philosophe et juriste et écrivain britannique
qui a donné son nom à cause de son humanisme à une instance qui est un lieu où se retrouvent des gens qui veulent ensemble examiner une situation particulièrement grave dans le monde et essayer d'apporter le soutien de l'opinion publique mobilisée dans toutes les régions du monde pour que soit mis fin à cette situation. Le premier exemple, vous vous en souvenez, ceux qui ne sont pas trop jeunes, heureusement il y a beaucoup de jeunes ici, ceux qui sont moins jeunes, eh bien, ils se souviennent du Vietnam et du tribunal Russell pour le Vietnam. Est-ce qu'il a été efficace? Impossible historiquement de dire quelle a été sa contribution à la solution du problème du Vietnam. Mais en tout cas, il a su à l'époque mobiliser des hommes comme Jean-Paul Sartre, comme beaucoup d'autres, et qui ont essayé de dire nous devons sortir de la situation du Vietnam. Aujourd'hui, nous devons sortir de la situation de la Palestine et Pierre Galland, un sénateur belge, a mis en route un processus par lequel nous allons avoir, sur le plan mondial, un nombre important de parrains pour ce tribunal qui apporteront leurs noms, des noms éminents, des noms américains, des noms européens, des noms canadiens, des noms brésiliens. Il y en a maintenant déjà un grand nombre qui sont les parrains de ce tribunal international. Mais il a besoin aussi de commissions nationales dans chacun des pays qui prennent à cœur le problème de la Palestine. Nous essayons de réunir des commissions. Et je peux vous dire que la Suisse a toutes les raisons d'être l'un de ces pays et peut-être l'un de ces pays les plus influents. Pourquoi ? D'abord parce que la Suisse, c'est la Suisse, et que la Suisse, c'est le droit, et que la Suisse, c'est l'humanisme, et que la Suisse, c'est un pays sur lequel nous comptons tous depuis toujours pour être au soutien des causes les plus importantes. Mais pour une raison beaucoup plus concrète encore, la Suisse est le dépositaire des conventions de Genève, conventions sur le droit humanitaire, qui lie entre eux tous les pays signataires, ratificateurs de ces conventions, et ces pays, en ratifiant cette convention, ne se sont pas seulement engagés, chacun individuellement, à appliquer les principes de la guerre, c'est-à-dire de renoncer à toutes les horreurs que la guerre comporte et qui ont été dénoncées il y a un siècle et demi par la Croix-Rouge internationale et par le CICR, mais que ces États se sont aussi engagés à intervenir lorsque ces conventions sont violées dans un pays. Ils ont une obligation de solidarité. Or, parmi les violations les plus graves que les Palestiniens ont subies, que les adultes palestiniens ont subies, que les enfants palestiniens ont subies d'une façon épouvantable. Et je demanderai tout à l'heure à ma voisine Martine Grousse, la directrice de la Voix de l'Enfant, de nous dire en quoi consiste ces violations de textes internationaux qui devraient être appliquées par tous. Nous avons donc tous une obligation, et la Suisse, dépositaire de ces textes, a une obligation évidente de réunir une commission qui va apporter son plein appui, ses témoignages, sa mobilisation citoyenne à ce qu'une solution soit trouvée enfin pour le problème israélo-palestinien.